Normalement, on a moi deux volets. Premièrement, ce qui est basé bazo tout là, je pense aussi que basé on les appelle biso mon compte de tozo mais comme il quitte sa moi mouké parce qu'une femme sage bâtit sa maison Amen. et une femme insensée la renverse de ses propres mains. Moi, je pense qu'une femme doit être, premièrement, elle doit être auprès de son mari. Poids lourd et tout, est-ce que, comment on peut dire, basi balé kimbal na esprit ton déni. Moi, ce sont des femmes païennes. Moi, je pense que les femmes qui, ont, qui servent Dieu, les servantes de Dieu, ils ne font pas ça. Ça, c'est parce que c'est un mot qui est. Moi, je pense que c'est un mot qui est. Pourquoi? Parce que ceux qui ont une ligne, peut-être, admettons, ceux qui sont simbités aux plan B, au plan A, oui, mais ceux qui sont simbités au plan B, ils allaient peut-être au coach dans les réseaux sociaux, comme on en voit. Je pense que la journée, nous ne pouvons pas fêter, peut-être en catimini, mais c'est plus une journée de réflexion, une journée de méditation que nous pouvons conseiller. Si vous voulez fêter, ça doit être vraiment discrètement parce que nous sommes en état de... Voilà, merci et bonne fête à toutes les femmes battantes. Les femmes qui soutiennent leurs hommes, qui soutiennent leurs familles. Nous sommes de cœur avec vous. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes le 8 mars 2024. Je crois que partout dans le monde, les femmes sont célébrées. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous une femme pas comme les autres. Elle, c'est Babi Kabbala, diaspora à Suède. Une Congolaise vivant en Europe. Je crois que Boué Baye, Boué Bié, Bouyouka qui est l'autre fois dans l'émission avec John Guifa. Aujourd'hui, elle sera seule pour s'exprimer. Et tu as quand même idéologie à Bassiez Andengenini, réalité à travers le monde. Cette journée doit nous interpeller quoi? Quel rôle doit jouer la femme dans une société comme la nôtre? Je crois que nous sommes là. Merci. À Sema Mayasi, femme légitime, agency Mayasi Forza Italia. Et clin d'œil spécial à Mimi Ndoumé depuis Moshing là-bas, en Allemagne. Je n'oublierai jamais l'honorable Fanny Kabulo Kyungu, notre maman, depuis quelque part à Katanga. Je vous salue aussi. Toutes les femmes, honneur de cœur avec vous. Alors, sans plus tarder, prenez-moi, maman Babi Kabbala, tout à l'heure. Alors, bonjour, maman. Bonjour, papa. Jérémy. Bonjour, Jérémy. Voilà, merci beaucoup. Santé, ça va? Oui, ça va. Dieu fait grâce. Hein. Dieu fait grâce, ça va. Bonne fête à moi de la femme. Moi de la femme, Yango, le 8 mars, Yango, quand même. Avant, tout au coup, priez quand même. Hein. Merci beaucoup. Prions. Oui, merci, Père de grâce. Tu as dit dans ta parole, j'honore ce qui m'honore. Et tu as encore dit, invoque-moi et je t'invoquerai et je te montrerai des choses cachées. Père, nous venons vers toi parce que tu es un Père d'amour, tu es le Dieu fidèle, tu es notre bâtisseur, tu es notre amour, tu es notre fondement, tu es notre Créateur. Tu nous as tellement aimés que tu nous as envoyé ton Fils unique. Père, nous remettons cette émission entre tes saintes mains, que ta grâce surabonde dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, Père éternel, que ta miséricorde soit sur nous, Père éternel. Nous remettons que le Saint-Esprit puisse intervenir pendant ces instants, disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup, la sœur Babi Kabbala. Batubil Baraouna va dédicace, mais là nous sommes avec vous. Oui, moi tourne à Congo. Et quand même, parlez-nous de vous, hein. Brèvement, quand même, Ndengeni Suède Kuna. Oui. Mais bah, Congolais, Bélé, qui m'a Suède, Balinkar, Paris, France, Londres. C'est quoi? Qu'est-ce qui est difficile à niveau Suède Kuna? Non, mais je pense que Eza Moutignon Soazana choix libre. Hein. On est libre de pouvoir, de vouloir habiter. Et ce que Lingo Fanda, ce qui Moutalinga Fanda dans le pays, Moussou Soaza libre, peut-être par rapport à système, peut-être par rapport à environnement. Je pense qu'on ne peut pas, qu'on force Moutouté à aller si qu'on y a Lingi. Mais je pense que l'Europe, Nyon Soaza, on a un système, Nyon Soaza, même système, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste le choix individuel. Est-ce qu'en Suède, là-bas aussi, on paye les chômeurs? Si, tout le monde on a des allocations, on a des subventions, bien sûr, chômeurs, quand tu n'as pas de travail et tout, bien sûr, ce qu'on cotise dans l'État, ça dépend un montant où ils cotisent, ceux qui ont cotisé, ils ont foutu, évidemment. Alors, mais ça, la paysanne, on a un jeune et belé.
Misaleza. Logement. Ben. Ngunda kenda kunandeni. Non, Ngunda pour l'instant c'est difficile. Pourquoi? Parce que vous savez que na nenge maramba Union européenne za awa bazolinga sous vraiment maramba immigration t. C'est à dire que ceux qui montoyent na poto, il faut oser vraiment na ba base moko na snani na ba donné moko solide. Mais ceux qui juste pour venir demander asile est comme vraiment très très difficile parce que le blanc. Alors, quelles sont les conditions au Tikiba Congolais na Suède Kuna? Est-ce que tu les fréquentes au monde araba congolais puis na ba supermarché, na ba en cours de route, na ba église beaucoup tanara. La situation de Congolais na ba na Suède zandeni. Bah, comment na ba Congolais? Oui, on se tout le monde en a, parce que nous sommes des Africains, mais ça dépend des tozo ba maramba milieu, ça dépend il y a environnement, ça dépend il y a ce besoin na ba objectif mon corps, mais bah, africain, bah, il n'y a pas que les Congolais, les Africains sont là. Mais ce que ça dépend, il y a ce que tout le monde on a quoi on a, si on n'a rien en commun, c'est difficile, mais il y a les Africains quand même. Mais aussi des journées des Congolais, peut-être bah, fêtes. Oui, il y en a. Bah, soirée, bah, concert, puis bah, musiciens, tout ça, on participera. Bon. Bah, prière, bah, pasteur congolais. Bah, ce sont des réalités, tout le monde en a pas pour tout. Oui, ce sont des. Qu'on participe, on a le. Qu'on participe, c'est ce qui est en ligne, qui n'est pas en ligne. Donc, on est libre. Christ nous a affranchis, donc on est libre. Ce qui est en ligne, qui est concert. Mais moi, comme je ne suis pas dans ces milieux-là, ça veut dire que j'aime vraiment là où c'est calme. Donc, voilà, c'est mon monde, ça. Alors, on a plus réservé. Hein, voilà. Tu n'as pas beaucoup de problèmes aussi. Mais est-ce que le 8 mars, journée internationale dédiée pour la femme, symboliquement, tout le monde a toutes les femmes en pagne, les putas, ou la tarangope, et si nous on a les putas, ça te dit quoi? Cette journée, tant que comme au raisonnarani, en tant que femme, s'il faut mec un peu qu'on réfléchir. Si je peux un peu expliciter ça, quand vous parlez de l'iputa, oui, l'iputa est tenu un abus africain, voilà. Tu as l'iputa, il faut que tu as l'iputa. Mais j'aurais quand même entendu que Baba Ikeno, quand même, le journal est le bac, tu as ma puta, tu es en deuil. Je veux dire, une tenue noire, selon les Andis, j'avais quand même entendu ça. Je pense que Eza, journal est le, c'est une journée historique, je veux dire. Ce n'est pas une journée de fête, c'est vraiment une journée historique. Oh yo, on a été, dans le passé, c'était que les femmes étaient discriminées en fait. Yangoana, basta là que non, comme bah le système y a égalité, que non, bas va se retrouver. Mais na état autre ça sikoyo dans le oui, autre ça sikoyo makambuya, mboka ça malamuté. Je pense que la journée moko nous ne pouvons pas fêter, peut-être en catimini, mais c'est plus une journée de réflexion, une journée de méditation que nous pouvons conseiller. Si vous voulez fêter, ça doit être vraiment discrètement parce que nous sommes en état de deuil, voilà. Alors, nous sommes dans un état de deuil, c'est vrai. Il y a un moment donné, l'État a interdit toute manifestation, événement en ces jours parce que nous devons quand même penser à Bandeko Baza violé, Bandeko Bazali tué injustement, dans le Nord Kivu. Je crois que ça fait mal cette histoire. Il y a Est et Congo. Au Béti le Solo, à l'époque, il y a tenu un abisso traditionnel, il y a un abisso africain, un abisso hindou. Mais est-ce que vous pouvez aller pour t'entendre dans poto? Bien sûr, et sa culture, même si j'aime beaucoup le bagne, donc Nala Takango, donc j'aime bien, et ça symbolise la femme africaine en fait, je pense que j'aime bien, c'est nos valeurs en fait. Nos valeurs, voilà, Nala Takango. Peu importe les robes, les collants et tout, mais les poutes, c'est quoi ça? Les collants, mais ceux qui ont tenu décemment, bien sûr que je veux porter. Donc, ils ont les poutes sexy, ils ont les poutes un peu à moi, mais ils ont la carte décent, une tenue décente. Je peux porter. Il n'y a pas de quantité. Moi, couille, c'est mon anamonine, tout ça. Ben, en tant qu'on est enfant de Dieu, nous devons quand même cacher notre corps parce que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On ne doit pas exposer notre corps à tout le monde parce que c'est un corps sacré. Donc, quand on s'habille, on doit s'habiller d'une manière décente. Ça, c'est selon mon opinion à moi. Alors, il faut relâter bien. Ouais, il faut relâter bien. Battre le corps, battre la partie intime, tout ça, vous allez présentable. Et puis, ça va l'air à moi aussi. Oui, mais parce que quand on s'habille sexyment, c'est-à-dire qu'on a quitté sa valeur, en fait. C'est-à-dire que le mouton de Tala, on a déjà une légèreté. Alors, du coup, c'est-à-dire qu'on peut se faire valeur, on peut se draguer par rapport à Nengolati. On ne peut pas respecter par rapport à Nengolati. Alors, du coup, moi, j'aurais préféré, selon moi, mon opinion à moi, j'aurais préféré ceux qui montent Lati Lata, décemment, même ceux qui montent à l'ingo, attendent la mère au bon mal, ceux qui montent à l'ingo, ils sont obligés à exposer nos autres. Voilà, ça c'est très bien. Alors, Jouna Bassi, moi, ma maman, tant que tu as la femme, revenons chez nous. Quand tu viens ici, tu vois les femmes, les femmes,
Bon, on ne peut pas les insulter, les prostituer, mais bah au salon qui ndumba na banda. Préfère aller se vendre à yeux larnaillé pour faire ses besoins et tout ça. Politique où on a les femmes baroma dans le loi hypocrisie. Aujourd'hui, on a 4 5 mibali tout ça. Ezaka évolution monde ou bien quelque part esa faiblesse où il est le loup. Je pense que dans le baron on a moi deux volets. Premièrement, ce qui basi bazo tout là. Je pense aussi que si on a des gens qui ont des parce que mon système est comme mingi, il y a des gens qui ont des pourquoi? Parce que ceux qui ont des gens, peut-être, mettons, ceux qui ont des gens, ont plan B. Au plan A, oui, mais ceux qui ont des gens, plan B, peut-être au coach dans les réseaux sociaux, comme on en voit, peut-être et cause au harcèlement, que ceux qui ont des gens, faut me payer. Et du coup, c'est ça que non. Si vous avez tout par rapport à Yawana, ils sont maintenant réservés. Il faut aller à la source, il faut aller à la base, il faut aller à la base. Parce que vous avez tout ça. C'est aussi une des causes. Donc, il y a une diminuée confiance à Mibali et pas à Bassi. Bassi est insolente, impoli. Voilà, ça aussi, le respect aussi, ça compte. Hein? Le respect, ça compte. Moi, je pense que la femme qui a le Saint-Esprit en elle, elle ne peut pas être vulgaire. La vulgarité, c'est un peu, je veux dire, c'est un païen. Peu. Pas païen, mais ce sont des futilités, quoi. Parce que Moto a vraiment une valeur. Comment oser la vulgaire? Je comprends rien. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on consulte la parole de Dieu. Dieu nous dit d'être soumise. Face à Mobalinao, tu auras quand même du respect, tu auras une douceur, la façon de communiquer avec l'autre, ton partenaire. Moi, je pense que ça, c'est un peu la ça, bassesse, c'est un peu la futilité, quoi. Futilité. Alors, ouais. Via Bassi, via ma hypocrisie, Wana. Et tu trouves ça comment? Hypocrisie, bon, moi les alliés caractère à Moutou, hein, ce sont des mœurs, hein, caractère à Moutou. Moutou, soit un hypocrisie, hypocrite, Moutou, soit pas un épée timide, Moutou, soit un réservé, Moutou, pas un ouverte, mais moi je pense que dans la vie dont nous menons aujourd'hui, bah, tu vois, ça quand même un peu prudent. Voilà, ça peut, je peux résumer ça, ça base à un peu prudent. Base à un peu prudent. Ouais. Alors, rôle à moi, si vraiment, maman, tu vois, qui a l'autre fois, qui maman, dit à Boutaka, d'appé sa vie, maman, dit mon beau colis, maman, dit à Zali, autre baka. La créature des créatures, Mama Azali, Abimana Kote Mobali, tout le monde a respect, même la Bible, la Bible ça moi aussi respect, même la société, même le gouvernement dans les différents états, même la poto, Betty, moi si on vous arrête, il faut payer l'amende, quand il y a dans la police, tout ça, la femme est sacrée, oui, c'est vrai, mais quand même, rôle à moi si femme africaine dans notre société et tout ça. Je prends notre exemple, la Congo. Est-ce que le rôle de la Bino besoin qu'on assume en haut bien? Ou bien la femme doit encore s'impliquer dans la gestion de la nation et qu'on sort? Tu peux dire quoi? Vous savez, la Bible dit, hein, une femme sage bâtit sa maison. Amen. Et une femme insensée la renverse de ses propres mains. Moi, je pense qu'une femme doit être, premièrement, elle doit être auprès de son mari, par exemple, elle doit être une femme soumise. Et auprès de la société, elle doit être une femme qui est aussi... Qui est soumis à ma autorité en fait. Donc moi si il faut azala, je dirais il faut azala une moi si mon ko azo memaba, je dis comment on appelle ça. Azo apporter ba des alors moi positif en fait. Femme maman est positif parce que moi si azali c'est une moi si azali vraiment azana ba capacité belle, azana ba potentialité belle. Donc quand tu es vers quand tu tends vers batou, il faut opé sa batou en vie wana base dans la posture courtoyer yo base dans la posture ya ko zapemene parce que tu incarnes quelque chose de Dieu quoi en fait, c'est ça. Mais quand on parle aujourd'hui des femmes battantes, bah, influenceuses, il y a aussi des femmes qui font les commerces, ça marche, qui créent des emplois et tout ça. Parce qu'on contribue à une économie en boca, qui embauche les gens et tout ça. Et dans le système, on a, hein, les femmes qui veulent faire quelque chose, ça aussi, tu l'encourages ou comment? Mais oui, c'est encourageant parce que moi, si Babi, la Bible dit que non, vaut mieux deux que un. Donc, ce beau deux, au monde qui est beaucoup s'entraider. Ce beau deux, au monde que moi, c'est pas qui peut apporter un plus. Moi, je pense que les femmes doivent être indépendantes, les femmes doivent être influenceuses, mais les femmes doivent aussi. Hormis tout cela, à ta sorte, on a pas moyen, naio, à ta sorte, on a pas capacité. Mais je pense que les femmes doivent quand même, qu'au cas là, moi, qui ça, moi, peu importe statut, naio, ça, quand même, na moi, humilité, donc, bah, fruit de l'esprit, ça là, quoi. Et ça là, voilà, ça c'est bien. Nous encourageons les femmes battantes, malgré ces vents et bah, femmes influenceuses, tout le monde, les femmes qui se laissent comme ça pour que bailler, qui sont capables de faire tout. Pour que combiné la gloire, l'influence, le succès, ça aussi tu l'apprécies? Bah, le succès. Quelques filles, il y a des réseaux sociaux, tout ça,
parce qu'elle a sarandenga la taka, elle s'habille chère et tout ça, un moitié qui moi système libanda, pourquoi combo kende faire le nom, et comment une femme peut faire le nom autrement? Moi je pense qu'une une femme peut faire le nom autrement, faire des bandes caricatives. Sala makambo eza malamu, za na ba ONG, sala makambo ezo ozo aider baninga, ozo aider ba démunis, je pense selon moi, ozo aider peut-être ba orphelins, ozo aider ba to bazana passé. C'est ça vraiment faire moi sur na ko ba o asa influenceuse na ndenge ya bien. Mais ko sala makambo eza le contraire de cela, je pense que moi je pense que za ngo malamu. Donc moi s'il faut zala ozala aider muninga na parce que porteur de solutions. Donc voilà, soli kambo ezali memela mutu solution. Kené assister ba tout contribue s'il y a contribué. Donc, tu dois être une femme qui a un grand cœur pour pouvoir émerger. Mais contrairement à la base, c'est les pour suivre parce que ça, c'est les œuvres du diable, quand je veux dire. Alors est-ce que vous avez payé dans les réseaux sociaux? Non, je Babi Kabbala sur TikTok aussi, on te voit. En fait, jusque-là, oui, si je pourrais être là. Les avatars, là, moi, je pense qu'on a fait ça pour les distractions, en fait. Si je dois être là, c'est pour apporter une... Mais c'est la communication, Lolo. Tout le monde, pasteur, oui. Femme commerçante, les hommes d'affaires, tout le monde a ça là. Réseaux sociaux, hein? Est-ce que yo a raté ma vie, tout ça? Non, mais ce qui est ma vie, c'est que les gens peuvent apporter un plus. Ça c'est bon, mais ce n'est pas pour venir montrer ma vie privée. Admettons que non, je suis en train de manger, je m'habille comme ça pour montrer ça. Après ça, c'est connu. Et puis ça gagne. Tu vas m'en avoir attiré. Non, tu vas attirer tout ça pour autant être dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut qu'on ait des réseaux sociaux pour attirer? C'est Dieu qui élève. Je prends encore une élévation. Je veux dire, il y a chemin court. Là, je préfère pas. Ouais, Nzambe, je préfère. Ouais, Nzambe, préféré. Mais comment vous priez? Parce qu'il y a des femmes prient réellement. Le femme, c'est le cœur. Prier, c'est le cœur. C'est craindre Dieu, c'est le cœur, moi, je pense. Qu'au prier, on ne doit pas être dans l'hypocrisie. Parce que, mais moi, je pense que ça se voit. Les enfants de Dieu, Dieu dit dans sa parole que vous verrez la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Mais actuellement, il y a des femmes qui prennent des chichas, qui se droguent, des femmes même à Koma au cinéma, Bali. Moi, à un moment, moi, au cinéma, Tata Mouré à poids lourd. Et tout. Est-ce que, comment on peut dire, si Bali qui me balle dans l'esprit, ton déni? Ce sont des femmes païennes. Moi, je pense que les femmes qui servent Dieu, des servantes de Dieu, ils ne font pas ça. Ça va tu basse basana mokil au besoin de mokil ne bon ça la bilo bon est-ce que moi sur bon ça mobile est-ce que c'est bon normal? Non moi c'est au signe mobile et va vivre en terme de bolingo par exemple. Mon un vieux papa robuste poids lourd mais na mon petite mobe motali pe na mon poids il a pété mais a zo signé zaranim bon ce qu'on a signé ça peut-être parce qu'on a intérêt naé parce que moi je pense il y a quand même faut moi équilibrer ça là yo moi na mokil na muto mukolo au sol andanini soit le monsieur c'est un pédophile, c'est un pervers et la fille c'est une victime. Moi je pense qu'il n'y a pas de concordance. Mais une fille victime et moi azo préféré naé azo préféré on peut-être pas pour intérêt. Est-ce que moi na au hasard normal au hasard une fille akolinga tata mukolo est-ce que dans la dernière réalité est-ce qu'il y aura de l'amour? Mais car à 40 ans mais c'est clair c'est par intérêt même si on dit que l'amour n'a pas d'âge mais là on voit clair soit mon imoto bongo ils ont intérêt papa soit logique. Alors moi d'abord on n'a pas pour le sens il y aura pas d'amour c'est pas vrai c'est juste qu'il y a un intérêt. Mais aujourd'hui il y a beaucoup de filles aussi hein au babali ma mariage forcé. Baba ici pour l'intérêt de nos jours, on a monné des pasteurs à Bali, on a mis à Zorba, on a l'église, tout ça. Ouais, on a violé les ébélés, on a musicien, on a orchestre, on a parti politique, on a mis les mingos, on a mis les mingos, on a virginité. Ben on les a pratiques, ben aussi ils font ça, peut-être qu'ils savent, soit ils sont obsédés sexuels, je veux dire, ça dépend. Ils ont leur, c'est-à-dire qu'ils ont leur fantasme pour pouvoir sortir avec des jeunes filles comme ça. Mais une personne normale comme ma banamiké, moi je pense, ils a soit tes causes qui c'est, je sais pas, je connais pas leur privé, leur vie privée, soit ils allaient, ça va obséder, c'est-à-dire des fantasmes. Bah on va zaka attirer na banamiké miké wana. Banamiké bazara lengi, bazara. Kamuké sukali. Kamuké sukali ou pas. Nicolo aussi beaucoup de périmé, bah mon zong na ba. Non, mais je pense que périmé ou non, mais chacun a ses goûts. Mutu ça n'est pas alingaka peut-être basi oyo, bazara comme la maturité. Moi je pense que les hommes
oh baza quand même sage, ils aiment des femmes oh azana expérience, na maturité, parce que là il y a pas de la maturité, là c'est juste on est en train de blaguer quoi. Kolinga linga bala mikiona ezara obsession. Ils ont obsession, c'est loco, oh c'est une maladie je veux dire. Sauf que bébé est tabana. Baza na malade, on obsédé, c'est-à-dire que fantasme, je dois sortir avec une petite fille. Ezana mutu, c'est une obsession. Ils ont un mouton, ils ont maladie, ils doivent se faire soigner en fait. Pas détruire comme moi, voilà. Pas qu'on détruit, mais c'est lourd, mais ça, quoi, obsessionnel. Pour ça, envie, je veux ça. Je, c'est plus fort que moi, ce sont mes délires à moi. Ce sont mes délires, je veux sortir une telle personne, une fille qui est mince, une fille qui est comme ça. C'est-à-dire, ils ont un délire. Et peut-être que d'autres personnes, c'est plus fort qu'eux. Ils ont obsession, donc on va faire ça là. Mais nous sommes pas le grapper peut-être des livres, pas le grapper des livrants, c'est pas normal. Entre temps, la fille, selon vous, elle est victime. La fille, elle peut être victime, oui, la fille, elle peut être victime parce que. Peu importe son consentement, t'as au moins un gros plaisir, papa, wana, bouna, bouna. Mais elle est innocente, elle est surtout du moment où elle est mineure, c'est-à-dire qu'elle est innocente parce que à la maturité, peut-être n'a pas d'intérêt, pas d'un bon mot, mais elle a bolingo, il n'y a pas de bolingo, il n'y a pas d'amour là. C'est juste quelque chose de profit en fait. De profit. Ouais. Voilà, alors moi si à l'ingraza ndeni ba traité ndeni. Moi si na terme bolingo, OK. Les femmes veulent quoi? Parce que ba femme PMS bazanga la bandinga na bango. O pe bazanga robuste wana ba rapide ndinga na bango. Mais nous tous bazanga la même pensée. Non, mais pas même pensée. Moi je pense que les femmes mono sa ngaba tante ba traiter avec douceur. Bas chérie, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Mais tout le monde on pèse un peu maman ba culture. Je veux dire peut-être ici en Afrique. Il y a peut-être que non, de se faire des câlins, faire des embrassages, hein. C'est pas donné à tout le monde, tu vois. Et il faut qu'ils aient leur compatibilité, ils ont entre binoumi balé. Donc les femmes aiment plus des bisous, mais des câlins, des douceurs, mais des fleurs. Fleurs, des paroles, mais c'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas que le physique, c'est juste tout dans l'ensemble. Donc tu me fais des câlins, tu me fais des bisous, tu es là, tu es tendre, tu es doux, dans tout ça, ça joue, c'est l'amour, c'est pas que. Car autre chose là, c'est. C'est tout dans l'ensemble. Dans le donc moi les paroles, tu vois, tu m'attires parce que on dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc quand tu me parles, tu me dis des mots doux, tu es tendre avec moi, du coup tu m'attires, je viendrai vers toi. Mais si tu es agressif avec moi, tu dis rien, pour toi c'est juste quand on est dans le lit, là on se parle. Mais quand c'est sans le sang, en dehors du lit, on se parle pas. Mais comment je vais t'aimer? Je pourrais pas t'aimer moi. Il faut que faut convaincre un gars. Bon, mi bali ba koma mona meli ba londo kasi a triqué match tout ça, il dit que na mbetu kuna maman a ressenti. C'est pas ça l'amour. Mais là c'est l'agression. Ça c'est l'agressivité. On se prépare les match. Toi tu t'es préparé, mais moi je me suis pas préparé. Non, ça tu veux me faire souffrir? Non, c'est pas ça l'amour. L'amour c'est pas que le côté là tu viens m'agresser. C'est d'abord tu dois aussi jouir de ce que je vois. Tu dois avoir du plaisir. Et avant d'avoir du plaisir, tu dois me convaincre, tu dois me faire des câlins. C'est-à-dire, c'est comme si c'était pas une. Et ça, il y a pas d'agressivité. Tu peux pas aller directement, tu prends des choses. Là, tu veux me faire souffrir. Mais c'est pas ça. L'amour, ce n'est pas que ça. Bon, il y a un petit poteau, mais il y a une souffrance. Mais voilà, qui est un monde de plaisir. Si vous avez le londokas, vous avez un monde de plaisir. Vous avez un vrai jour. C'est quoi le londokas d'abord? Bah, quitter ma table, ma maman. Ça veut dire quoi ça? Bah, t'en as ici. Ah ah. Pour renforcer les. Pour renforcer les quoi? Et ça va stimulant. Stimulant, ok. Mais, bon, ce n'est pas. Et ça t'a bouté, hein. Je pense qu'il faut quand même parler cash. Hein. Stimulant et cause à la bien. Il paraît que ça pour tout, il paraît que c'est un tric à match. Nous étions là, beaucoup. Trop de bololo dans mon bali. Pour avoir l'endurance, c'est ça? Oui, moi, là, j'ai un peu endurant. Ah. J'ai la forme. À ça, la plusieurs à résister. À résister. Mais ça dépend de personne en personne. Hein. Moi, je pense que une autre personne, peut-être. Moi, tu peux résister avec toi juste si tu parles avec moi. C'est pas que le sexe, parce que le sexe, on peut occuper au coup fapit. Soit c'est quoi le coup fait. Soit qu'on a qu'à baser un sexe bon. Comment c'est quoi monter dans le calibanda. Mais par contre, si tu es bien avec moi, si tu me shootes bien, tu me fais à manger, tu me parles, tu es doux, ça peut aussi occuper au remplacer. Ce n'est pas que le sexe. D'abord, ce n'est pas que le sexe. Là, c'est juste, c'est qu'on nous a montré ce côté-là un peu sexuel, mais ce n'est pas que le sexe. C'est la personne, en fait. C'est la personne. Ouais. Ça, c'est très bien. Une matière propre dans la fille. Hein? Parce que le monde a changé. Comment il faut, Moubalaza, la Sougindengue, Nini, tout ça. Alors qu'en soi, l'amour, c'est les dialogues. La douceur. La compréhension. La compréhension, la communication. La communication, tout ça. Voilà. Tout ça. Voilà. Ça, c'est très bien, Babi Kabbala. Je crois que tu es plus dans les sociales. Tu aimes les gens, tu aimes les enfants. Tu aimes les hommes, tu aimes les femmes.
Et c'est aussi un don, hein? Une grâce. Hein? Je pense que oui, ça, c'est un don de Dieu. Mais d'autres personnes te voient comme si on a un problème. On dirait qu'on a normalité. On dirait qu'on a rancunière. Non. C'est juste, je suis une femme de caractère. Très bien de caractère. Ça, c'est sûr. Je suis une femme de caractère. Problème, non. Je suis quelqu'un qui a un grand cœur. Je pardonne facilement. Je n'ai pas de rancune. Oh là là, quelle chance. J'ai pas de rancune. Mais j'aime mettre des limites. Ça, c'est moi. J'aime mettre des limites. Je parle bien avec les gens, mais j'aime vraiment mettre des limites. C'est juste ça. Mais rancunière ou bien problématique, non. Les gens qui m'approchent, ils me connaissent. Tu aimes plus les blancs ou bien les Africains? J'aime un homme bien. Un homme qui me plaît. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas de préférence. Un homme qui est bien, qui m'attire, je vais l'aimer. Il peut être court, plus que toi, c'est bon. Non, à attirer, Nakaka. Tu dois être. Tu dois m'attirer, c'est tout. Tu dois me convaincre. L'attirance, Oyo. L'attirance, c'est aussi un point fort. Hein? Non, mais tu dois me convaincre. C'est ça. Convaincre aussi. Tu dois me convaincre. Ce n'est pas que parce que tu es. Il faut venir avec un projet, ça aussi. Pas un projet. Je dois te connaître. T'es qui? Tes comportements. Tu viens de quelle famille? C'est quoi? Parce que c'est toute une vie. Non, comme maman m'a douté parce que genre, je dois sortir avec une personne. Je dois te connaître. T'es qui? Parce que c'est ma vie en jeu. T'es qui toi? Hein? Pour venir embrouiller les gens ici. T'es qui? Voilà, merci beaucoup Babi Kabala. Je pense que la matière était quand même sucrée. Fête à ma maman Yangoyo. Te pécibe encore une fois. Bonne fête à toutes les femmes. Mimi Ndoumi, Namouching là-bas, depuis l'Allemagne. Sema Mayasi, femme légitime, agency Mayasi, Forza Italia. Les célèbres. Shalom, shalom à vous, les enfants de Dieu. Na pécibe l'ombote et na kombo na Yesu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël. Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté toza nango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo fouté là. Et puis, difficulté à foutre la banane à Minerval pour te chuter au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu as l'indambo. Nazo banga, ke bana oyo, baka ta classe, bako manango na soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, na lancé un message oyo na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo bozo mona na bilili. Bana oyo bozo mona na bilili, ndambo na jeu na rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengaye. Pour la bande kolanga nyoso ba congolais, bobi ba réalité nini to passe nango na mboka. So kinga simple individu, nandimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi, dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans Zelate. C'est difficile, il y a au salangonga moko. C'est pour cela que lancé appel na bananyo sur Nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batunyo sur baza qui est sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université. Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour Nabato, Balingi va contacter Bissot pour Nabat détail Moussousou. Il a plus 243 89 72 32 229. Mbote Bandé, Kouzanga maman Mika Moussoungi à population. Nya Elibino promotion, il y a réduction à 30% Nabat produit Nabissot Nyon surtout naturel et cosmétique. Il y a traitement naturel et cosmétique. Pour un problème de santé, nous avons un problème de hémorroïdes, stérilité, tension, diabète, nerfs sciatiques, estomac, myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, mboudi, bandekoboya, ba solution ezali. Bakisi ezali ebele, eza très efficace. Tobuki ba prix, na 30%. Côté cosmétique, tous les produits na biso tel que thé métis, tous en a thé métis, tous en a crème de beauté Mika, ma foute à copacola, tous en a savon na biso gommant, ou ils ont traité, ils ont contre batache, acné, bouton puis ba vergeture. Tous allez na savon noir na biso, ou ils ont traité, ils ont à l'aise na douche, ils ont protégé contre moi, ils ont très efficace. Tozali na crème de visage na biso, ils ont embellir et longue, ils ont rendre longue lisse et très propre, très agréable. Tozali na huile d'ananas, solution ngoyo pour na ba peau sèche nyo surtout, solution ezali.
Tous en a lotion tonique qui pour abattre tampon. Tous en a lotion tonique pour abattre au besoin un tampon. T'es mais pour les abîmer. Tous en a une gommage faite à base de café. Ils ont rendre l'ongi propre. Ils ont l'ongi là-bas bouton. Nous on surtout ils ont qu'une là-bas graisse. Tous en a une pommade à souki. Il y a souki. Ils en a très efficace. On a problème à l'ibandi. Souki est collé au bien thé. Bas produit en goyo est très naturel. Ils ont bon guise à base. Très très naturel. Quand on est maman l'obi. Une pommade anti solama. Yes. Les coyotes ali na problème solo au dégage à cause transpire à mingi solution en way pommade anti solama pika bobo sanate toza na promotion réduction à 30% na ba produit na biso nyonso côté wana to buki na biso côté toza ba kiss na biso pe ya poussière ya bokoko ndeko siko zali za musika ba produit ma ezo ya te ba kiss ya poussière ya ngoyo okomela na kaya maladi nyoso tu o mama mikatanga ki awa okozwa solution na yo benga biso na plus 243 89 98 27 674 adresse na biso toza na commune Kalamu quartier Matongé avenue Pose numéro A17 pona stérilité bande konanga baso zokoka ku concevoir te solution yango yo eye papa ozo koka ko pesa zemité ba kisi yango yé eza très efficace boya ebele bokozala décité to buki ba pri ngai 7e naza awa ngai 7e baga naza awa bye non grand frère propre bien zundu na Washington bishop dinangama depuis Caroline du Nord Gérard Sadam na Manchester Gérard Sadam mon vieux. Et puis il y a le Zombala de Madrid, il y a le Zombala de Madrid, ban Espagne, mbote, ban Australie, Suisse-Irlande, Dubaï, Chine, Corée, bande wana souba na Portugal, Grèce, Turquie, un peu partout vous nous captez. Babi Kabala n'a pas l'habitude de communiquer son numéro, mais son relingue peut-être poser ma question, oui baye, tu nous appelles. Ndenge bato Suède mimba bengi biso. Ban Suède mbote, et voilà. Et tu as peut-être un message ou bien un mot pour clôturer. Tu diras quoi à ma jeune fille, ma fille mère ou ma beauté déjà, mais à beauté à perdre espoir. À remis au tekaninjo, toko kaba kaba kaba, à combien embrouillé. Quand on donne déjà naissance à un enfant, deux enfants, que tu n'as pas le travail, tu ne sais pas où tu es situé, bah se comporter n'est. Attends, t'as la chance par-ci, par-là, ou bien il faut appeler la caractère. Moi, rigueur, puis ça. Je pense que Batabon, il faut pas en rigueur. Je déploie, c'est triste, ils ont été victimes, peut-être, voilà, manque d'orientation. Manque d'encadrement, je comprends aussi. Manque, voilà, il va succomber à Makambouana, à Babana. Mais Bazaka, forte, hein, je pense qu'ils peuvent toujours se relever. Hein. Il n'y a pas de retard. Donc, à Toboti, tu peux être une fille mère. Cela ne veut pas dire que non, nous avons continué la mobilité. Je pense que ressaisis-toi, sois une femme forte, avec beaucoup de valeur. Continue et je pense qu'au désespéré, on dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, base en espoir. Voilà, ça c'est très bien. Et c'est pas là que nous allons chiter pour aujourd'hui. Hein. Ouais. On a d'autres émissions, d'autres analyses à faire. Mais c'était une émission spéciale, 8 mars. Parlons de la femme. Moi, si maman, za maman. Et si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est grâce à nos mamans. Balinga Kobo Tabiso. Mais le lozo mon abasi, balingi pe Kobo Tate. Et donc, on peut aussi remarquer en vrai. Mais Kobo Tate. Surtout Awa, fortement d'avortement. Non, mais l'avortement, ça a déjà été décrété. C'est vraiment autorisation. Ce sont ces tuer des personnes. Je pense que Kobo Tate, papa, ce sont des sacrifices. Hein. Il ne faut pas faire des enfants comme ça. Donner la vie, c'est un sacrifice. Non, c'est bien de donner la vie, mais il faut réfléchir. Il faut quand même raisonner. Mais il faut attendre Kobo Tate, parce que bon, ben, les éducations. Et aussi, ma sacrifice est belé. Donc, tant aux robots à calculer, nos robots à combien 2 ou 3 bien planification. Il faut faire un projet. Bon, moi, on a beau dans le lycée. Est-ce que Zakan a beaucoup à l'état au salaire? Donc, il faut faire une planification pour nos robots à biboter la beauté. C'est être bien comme les mindés, les 2-3, ça suffit, mais pas trop. Se poser à moins, il faut juste planifier quoi. Il faut juste planifier pour que Bana bah, rate l'éducation. Voilà, parce que moi, Ayakana. Donc quand tu as mon amour, ça va 2-3 et comme maram belé. Et comme belé. Voilà. Merci beaucoup. John Gefa, peut-être mon boutique. Tu as relu le Yara, tu es. Bien sûr, pardon, s'il vous plaît. Et qu'as-tu déjà
Allez-y, parlez. Je veux juste dire que nous soutenons beaucoup Moïse Mbi le 19 mai. Mais, dans le stade de martyr, moi, j'y serai, Yopézala, dans tout ce que nous soutenons Moussa Lianzambe. Et merci beaucoup à tout le monde au Balandingaï. Tu vas dans le stade, hein? Je serai là, Yopézala. Le 19 mai, dans le stade de martyr. Je ne remets pas Ozala. Merci beaucoup. Ngefa Chorolilo. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini. C'était un grand plaisir de vous recevoir sur ce beau cadre. Babi Kabala, moi, en Suède, à Solo. Donc voilà, elle est là et avec nous. Et on va faire une série de programmes. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur la même chaîne et surtout avec les mêmes plaisirs. Bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye.